Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement de faire des publicités sur Snapchat d'une extrême simplicité. J'espère évidemment que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus mais surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater tous mes prochains et nombreux tutos sur Snapchat qui j'espère évidemment vous seront d'une grande utilité. Maintenant on commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti. Faire les amis, il vous suffira simplement de vous rendre sur un site qui est tout simplement @snapchat.com, le lien évidemment sera dans la description de la vidéo, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et une fois évidemment que vous serez bien sur ce lien, il vous suffira simplement de directement vous connecter au compte Snapchat que vous avez. Lorsque maintenant vous serez bien connecté, il vous suffira simplement de choisir le type de publicité que vous souhaitez faire. Moi je vous recommande énormément de choisir tout simplement ma méthode, puisque évidemment de cette manière vous aurez la possibilité de faire une publicité le plus simplement possible en choisissant simplement votre image mais aussi ce que vous souhaitez faire, la cible que vous souhaitez toucher, etc, etc. Lorsque maintenant vous aurez bien choisi l'option la plus simple que vous souhaitez parmi évidemment toutes les publicités qui sont présentes, il vous suffira simplement de choisir le type de publicité que vous souhaitez faire. Ça va être aussi bien est-ce que vous souhaitez peut-être promouvoir une application, un lieu comme un commerce, je ne sais pas, une boulangerie, un restaurant, etc, etc. Est-ce que c'est peut-être du coup un site web, etc, etc. Bref, en tout cas, il y a énormément de possibilités et moi de mon côté, évidemment, je vais tout simplement promouvoir un site web avec ma chaîne YouTube. Lorsque maintenant vous aurez bien choisi ce que vous souhaitez, il vous suffira simplement en fait de choisir si vous souhaitez peut-être prendre directement du site internet que vous avez sélectionné une image. Moi de mon côté, je vais faire non parce que voilà, je préfère quand même mettre mon image de mon côté, c'est beaucoup mieux. Je vous recommande énormément de faire exactement pareil. Ensuite, Snapchat vous demandera tout simplement de bien vouloir mettre l'image que vous souhaitez directement sur cette page. Donc lorsque vous serez bien dessus, vous aurez un format évidemment qui va apparaître, c'est tout simplement le 1080 sur le 1920, donc c'est finalement voilà le format de Snapchat. Et une fois maintenant que vous l'aurez bien mis avec l'image que vous souhaitez mettre, vous aurez évidemment de nouvelles possibilités avec cette image. Ça va être aussi bien, pourquoi pas, un petit filtre, etc, etc. Donc vraiment, faites attention à une chose, c'est que si vous mettez peut-être un texte qui est trop haut ou trop bas, il n'apparaîtra pas finalement directement dans la publicité que vous avez. Vraiment, ce qui est bien avec Snapchat, c'est que ici, vous avez vraiment une prévisualisation de ce que vous aurez en réel. Donc vraiment, ça, c'est vraiment super. Donc maintenant, une fois évidemment que vous aurez bien tout configuré, ça va être aussi le nom, etc, etc. Donc mettez pourquoi pas votre société, le produit que vous voulez promouvoir, etc, etc. Il vous suffira simplement de faire continuer. Et lorsque vous aurez bien fait continuer, maintenant vous aurez la possibilité de choisir la cible que vous souhaitez. Par défaut en fait, vous devez savoir que vous serez sur une audience qui va être aux États-Unis. Faites attention, modifiez-le, supprimez complètement les États-Unis et mettez bien la France, parce que voilà, finalement si vous souhaitez promouvoir un commerce qui est à Paris et que vous faites la promotion aux États-Unis, on est d'accord, c'est complètement inutile. Donc maintenant les amis, une fois évidemment que vous aurez bien choisi le pays, vous aurez également la possibilité de choisir l'audience avec son âge, avec également est-ce que vous voulez peut-être toucher les hommes ou les femmes ou les deux. Ça c'est vraiment à votre choix. Et une fois maintenant que vous aurez bien tout configuré par rapport à l'audience que vous souhaitez toucher, vous avez maintenant la possibilité de choisir les montants que vous souhaitez mettre. Donc vraiment faites attention à ça encore une fois, parce que par défaut vous serez en fait de base sur un budget de à peu près 50 €, mais sur une semaine. Donc en gros vous allez mettre un budget qui va être un petit peu conséquent entre guillemets, ça va forcément dépendre du montant que vous avez à disposition. Donc vraiment si vous voulez peut-être, je ne sais pas, mettre un budget de 50 € pour à peu près 2 jours, vous avez la possibilité de le faire. Néanmoins évidemment, et c'est normal, plus vous mettrez un budget qui va être moins inférieur par rapport, je ne sais pas, à un autre budget, plus évidemment vous allez toucher une audience qui sera beaucoup plus faible. En gros évidemment vous aurez une estimation qui sera faite directement par Snapchat sur la droite, et je trouve vraiment ça bien parce que de cette manière vous savez à peu près combien peut-être de clics, combien peut-être de téléchargements vous aurez, ce qui est quand même super intéressant. Maintenant moi les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Ensuite évidemment, et je vous le dis, ça paraît évident, mais à la fin vous aurez la possibilité de mettre la carte bancaire que vous avez ou alors de payer par PayPal pour évidemment valider la publicité que vous avez. Snapchat fera une validation sous à peu près 24 heures, et ensuite évidemment vous aurez soit un oui soit un non, et ce qui est quand même assez rapide. Maintenant moi les amis, encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces
bleu, moi ça me ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tous mes prochains et nombreux tutos qui j'espère vous seront d'une grande utilité. Maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde.